Vous allez sur... que vous allez en normal ou en style pass, on s'en fout. Vous allez sur Fortuna directement, dans la vallée d'Orbis. Alors, je vais vous montrer d'abord, avant de vous montrer la vallée d'Orbis, les gars, avant de vous montrer comment faire, je vais d'abord vous montrer Ticker. D'abord vous montrer Ticker. Donc, en fait, les amis, quand vous avez besoin... Alors, Ticker, les gars, ça va être votre meilleur pote pour les dettes, hein, d'accord? Donc, en fait, il propose des dettes toutes les heures, les copains. Alors, regardez bien, regardez. Hé, timing parfait, les Vous gars. connaissez? Les copains, regardez, vous avez... les dettes médicales sont disponibles chez Ticker actuellement, les potes. Allez les chercher. Les dettes médicales, généralement, c'est ce qui bloque les gens. C'est ce qui bloque généralement les joueurs dans leur progression quand ils veulent monter justement Fortuna, d'accord? Donc, prenez-le. Ici, on a des étudiants de couverture, étudiants de couverture, étudiants de couverture. C'est que des étudiants de couverture. Mais la première, les gars, c'est dette médicale. Hein, donc, vous devez les prendre. Hein, très important. Et en fait, ça, les gars, si vous regardez bien, les potes, vous allez voir, c'est toutes les 3 heures, en fait. Vous voyez, toutes les 3 heures à peu près, vous allez avoir de nouvelles propositions de ticker. OK? Donc, en fait, quand vous êtes en phase de progression, vous voulez progresser sur Fortuna, bah, en fait, vous venez toutes les 3 heures. Et vous voyez toutes ces ressources là qu'il vous demande. Là, il veut des lames de globite. Là, il veut des spores. Il veut. Vous voyez toutes ces ressources qu'il y a là. Et bien, je vais vous montrer une strat en fait pour les avoir très facilement. Très, très, très facilement. Et en fait, vous aurez toujours la ressource nécessaire pour notre très cher ami Ticker. Tac. On vient ici. Et en fait, là, vous voyez, les gars, il y a trois coffres. OK? Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre. Mes deux graines ici, je m'en fous de la bleue. Je fais une fois le 3 d'Itzal, une deuxième fois. Je viens ici, regardez en bas de mon écran les gars à chaque fois. Hein. Une fois, deux fois. Je viens jusqu'ici, une fois, deux fois les gars. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. On vient jusqu'ici, une fois, deux fois. Donc c'est une fois pour casser les coffres, une fois pour ramasser les loots qui tombent des coffres. Une fois, deux fois. Et là, on revient à l'entrée, les gars. Et là, vous voyez que ça repop. Vous voyez, ils sont juste là. Ça repop entre-temps, d'accord? Et là, regardez, ça, c'est un tour. C'est un seul tour, les gars. OK? Je viens de rentrer, hein. Je viens de rentrer. On va faire 5 minutes, les amis. On va faire 5 minutes. Donc, cette strat-là, les gars, marche sur... Cette strat-là, les gars, marche sur Deimos. Deimos, ça marche. Mais ça ne marche pas sur... Enfin, ça marche pas. Il n'y a pas un gros intérêt de le faire sur Cetus. Cetus, il y a surtout une autre strat. Ça, les gars, c'est la strat de Setokun. Hein. Setokun qui est streamer, hein, lui aussi. Hein. Joueur français. Très, très bon joueur. Et t'enchaînes, t'enchaînes, t'enchaînes. Bon, je vais pas faire 5 minutes, les gars. Hein. Je pense que vous avez compris le... Vous avez compris le principe, les amis. Celui qui fait ça pendant 5 minutes, normalement, il a assez de ressources pour toute la journée. Hein. Il faut avoir Itzal. Non, non, il faut, c'est Itzal, poto, c'est Itzal. C'est Itzal qui a ce pouvoir-là, c'est pas les autres Archwing. Le troisième pouvoir là qui permet d'aspirer les loots, c'est Itzal. Mais sinon, après, au pire, tu les casses à la mano et tu ramasses toi-même. Mais c'est beaucoup moins chill que si t'avais Itzal. Itzal, poto? Hé, Déo! Itzal, c'est dans le dojo, poto, que tu vas le crafter, hein. Tu vas le chercher. Il est dans le laboratoire Tenno, si je dis pas de conneries, les potes, hein. C'est facile, les gars, hein. Itzal, c'est pas compliqué à récupérer, hein. Allez dans le dojo, laboratoire Tenno, les gars, et récupérez tout ce qu'il y a là-bas, hein. Vous récupérez tout, tout, tout. Vous allez farmer un peu de crédit avant pour répliquer tous les schémas et vous craftez tout, les potes. Faut pas chercher des alternatives sur des trucs aussi simples, les potes, hein. Vous allez perdre plus de temps à aller chercher une alternative que de simplement aller dans votre dojo pour aller répliquer les schémas, en fait. Et là, voilà tout ce que j'ai eu, les potes. Hein. J'ai eu tout ça. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, hein, de toute façon, ce sont ces ressources-là qui vous demandent Ticker pour vous les échanger contre des dettes. Voilà, tout simplement. C'est très facile. C'est très, très, très facile. Pour Deimos, non. Deimos, ça marche. Ça marche dessus. Il faut juste aller dans les grottes. Je vous montre vite fait, les gars, pour que vous puissiez comprendre. Donc là, vous arrivez ici. Vous prenez l'Itzal, hein. Vous allez par là et normalement il y a une grotte. Elle est où la grotte? Bon, je vais passer par ici, c'est pas grave. Il y a une entrée de la grotte ici. Alors vous voyez, vous le faites une fois, deux fois et en fait vous ramassez tous les loots qu'ils proposent.
Voilà, vous enchaînez. Il y en a partout les potes, hein. Regardez, quand vous regardez la mini-carte, les gars, il y a énormément de loot, hein. Après, j'ai un doute, est-ce que ça repop ici ou pas? J'en sais rien du tout, les gars. Ça, c'est des trucs... C'est des trucs que vous devez voir par vous-même, les amis, hein. Voilà. On va jusqu'à l'entrée. On va aller voir tout ce qu'on a eu. Donc voilà tout ce qu'on a eu les gars et tout ça, vous pouvez les échanger contre des jetons chez le père et compagnie les gars, hein. Il y a plein de trucs. Hein. Ensuite, pour Cetus les gars, je vais vous montrer Cetus en deux spies hein, très rapidement. La première les gars c'est avec Equinox, bon Equinox Ivara les gars, il y a deux écoles, hein. Il y a ceux qui préfèrent Equinox, moi je préfère Equinox les gars. Je préfère Equinox. Et il y a ceux qui préfèrent Ivara, les gars. Pour, c'est les deux, ils endorment, en fait. Les deux, ils endorment. Je tag directement. Vous pouvez y aller en Steel Pass. Alors, si vous y allez en Steel Pass, les gars, vous, ça, c'est plus intéressant. Si vous devez faire, justement, le vous, parce que les gens, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font 6 Maris en même temps, en fait. D'accord. Je vais vous montrer comment. Je vais vous montrer. Je prends mon fusil. Apparemment, il y en a par ici. Donc là, on les endort, en fait. Vous voyez, il y a des petits... Et ouais les gars c'est Plague Star. Il y a Plague Star, alors c'est, ça doit être un peu plus chiant de faire la strat pendant Plague Star les gars. Ça va être un peu plus chiant. Mais en fait là vous voyez déjà j'ai déjà fait 3600 de réputation de Cetus. 3600 de réput les gars de Cetus juste avec le petit pack de bonhomme que j'ai ramassé quoi. Donc c'est très facile. Apparemment, il y a des mobs là-bas. Je pense que la strat, les gars, va être très difficile à faire avec Plague Star en cours. Je pense que c'est faisable, mais ça va être plus chiant. Donc, les gars, si c'est comme ça, hein, je vais vous montrer la deuxième strat qui est bien. Et en fait, ce que vous allez faire, les gars, c'est soit vous allez pêcher les Murkrés, soit c'est la nuit, vous allez pêcher les Glapides. D'accord? C'est ceux qui donnent le plus de répute. Donc, on va dans l'océan, là. On cherche un... Là, voilà, ça, c'est un remous. Ok. Bon, si vous avez Auxilus, il vous le trouve beaucoup plus vite. Vous prenez le harpon. Je mets le luminescent et je mets l'appât de Murkré. Là, il y a un Murkré, vous voyez. Et ça, les gars, beaucoup. C'est, je crois que c'est 1000 de répute. C'est 1000 de répute par poisson, si je dis pas de conneries. Bon, vous pouvez tous les prendre, hein. Ça vous fera tous ceux qui ont besoin d'huile de poisson et compagnie, vous pouvez ramasser tous les autres. Hein. Mais un Murkré, si je dis pas de conneries les potes, c'est 1000 de répute. Et en fait le fait d'utiliser Volt les gars, vous voyez en haut à droite, j'ai un compteur de dégâts qui me permet de pouvoir, même si je me trompe de harpon, c'est peut-être pas forcément le bon harpon que j'ai pris là, bah, je m'en fous. Parce que le compteur de dégâts que vous voyez en haut à droite, il me permet de one shot dans tous les cas le Murkré. Le Murkré a une résistance qui fait que bah, il faut le bon harpon dessus, tu vois. Ah super. Là, il y a un autre Murkré ici. J'en ai vu un autre à droite. Là. Là, donc on en a deux à chaque fois, les gars. On a deux à chaque fois. Bah, vu que j'ai le doubleur de ressources, les gars, vous voyez, j'ai déjà eu tout ça. Hein. Ah, regardez-le, lui, là. Il était tellement gras. J'ai des leurres qui sont tombés dans l'eau là. Donc ça veut dire qu'ils sont plus bons. Il y a toujours le remous, je le vois d'ici. Oh lui, quand ils sont gros et gras là comme ça, ça va. Bon, je pense que j'ai fait mon cap de réputation là. Hein. Je pense que je dois avoir le cap les gars. Bon, vous avez capté les gars, on va voir combien on en a eu et on va représenter combien,
Combien ça représente de réputes? On est resté moins de 5 minutes, hein, d'accord? Moins de 5 minutes. Alors, on a eu tout ça en poisson, les gars. 10, 16, 18, 16, 24, 30. On a eu 30 poissons, les gars, d'accord? 30 poissons, je vais chez le pêcheur iLook. Donner du poisson, donc c'est celui pour avoir la réputation. Et regardez, si je prends le grand, les copains, il en faut eh ben, 29, les gars. C'est combien les autres? Bah les autres, c'est un petit peu moins de répute. Si par exemple, on prenait celui-là, les gars, il en faudrait 58. Mais bon, les gars, j'étais resté 4 minutes pas concentré, les amis. Hein. Je suis convaincu qu'en 5 minutes, les 60 poissons, vous pouvez les faire. Hein, ok? Et ça vous permet, en 5 minutes, les gars, bah vous faites votre cap de réputation journalier de cette zone-là, d'accord? Vous faites ça, et en même temps, vous faites un petit peu de chasse. Et c'est bon, en fait. Voilà. Vous avez capté?